C'est déjà de finir ce que j'ai commencé. J'ai dit qu'il y avait un challenge à relever, donc j'ai fait le maximum pour ça. Mon mandat se finit le 1er juin. J'irai jusqu'au bout de ce mandat, en espérant avoir bien travaillé, en espérant avoir apporté beaucoup de choses au club, surtout dans le comportement et dans l'état d'esprit. Je sais que je ne suis pas très fort en communication, mais encore faut-il Qu'est-ce que disent vos adversaires? vouloir communiquer avec moi. Ça, c'est une autre, peut-être une autre source. Donc voilà, je suis moi disponible à toutes les personnes qui veulent bien agir pour le club et non pas contre le club sans tenir compte des intérêts du club. Parce que la situation financière est bonne aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr que c'est facile d'annoncer, de faire des effets d'annonce en ce qui concerne les dépenses, mais encore faut-il être raisonnable et pouvoir perdurer et faire perdurer le club encore au moins une décennie. Aujourd'hui, vous êtes toujours candidat à votre succession, justement? Je suis pas forcément candidat à ma succession, je suis candidat à la succession du beau travail et à la succession de gens qui ont appris à me connaître et qui suivent aujourd'hui ma ligne de conduite, qui ont appris à connaître l'entraîneur et qui suivent complètement sa façon de faire, sa façon de mener les hommes, parce que c'est un meneur d'hommes avant tout. Et ces personnes-là ont fait beaucoup de bien au club. Donc je tiens à les remercier.